Un panier, une paire de bottes, l'envie de marcher et vous voilà prêt à cueillir des champignons. Deux endroits pour les trouver, les pâtures et les forêts. Les meilleurs coins, les forêts de Dèvres, Saint-Amand, Clermarais, Liessy, Trélon et Mormal. Le champignon se fait de plus en plus rare dans celles de Falampin et Nieppe. La pleine saison a commencé, elle se terminera dès les premières gelées de la fin octobre. Connaisseur ou pas, un mot maître, prudence. La prudence en mycologie est une vertu fondamentale. C'est quelle sorte de champignon ? C'est une amanite, c'est l'amanite vineuse, la golmotte, le royal, elle a différents noms. C'est un excellent comestible. On trouve le champignon dans certaines conditions. Par exemple, après une bonne pluie suivie de soleil, on est certain d'avoir une forte poussée de champignons, surtout comme ici dans les pâtures. Il n'existe pas dans les champignons de pâture de champignons qui soient mortels. Tout ce que vous risquez d'avoir, c'est une bonne gastro-entérite, sans gravité, avec quelques désagréments quand même, mais sans suite. On compte quelques 10 000 espèces de champignons. Cela va du champignon qui sert à ensemencer le maroilles, au champignon classique ou encore au champignon de la peau. C'est quoi ça comme champignon ? Un polypore du boulot. C'est-à-dire, il fait mal au boulot, je crois, Oui, il détruit le boulot complètement, c'est un parasite. Il n'y a pas de truc pour reconnaître un bon d'un mauvais champignon, il faut simplement connaître ces champignons. Et c'est à la longue, quand on a bien cueilli et souvent une espèce, qu'on connaît le champignon jeune, adulte et vieillissant. Et suivant les conditions climatiques, quand il fait sec, par exemple, ou quand il fait humide, le champignon n'a pas toujours la même allure. Regardez bien ce champignon, il a belle allure. Et pourtant, c'est le champignon mortel par excellence. C'est l'amanite phalloïde. On le trouve en grand nombre cette année dans les forêts. La mort survient généralement 8 jours après l'avoir mangé. Pour les manger, il faut absolument être sûr de l'espèce qu'on ramasse. Si on n'en est pas sûr, le conseil le plus simple, et maintenant il y a suffisamment de mycologues partout le nord, il faut le montrer à quelqu'un qui les connaît bien. Voilà, regarde ça si c'est pas beau ça. Magnifique. Allez, bon dans la casserole ça. Vous avez des champignons qui sont toxiques à l'état cru, comme la morille, et qui est un excellent comestible quand il est cuit. Pour la cueillette du champignon, il faut faire marcher ses cinq sens. Bien le regarder, bien l'observer, c'est très important. Le sentir aussi et le goûter. Il n'y a pas de danger à goûter un champignon mauvais ? Non, à condition quand même de respecter une règle élémentaire, c'est-à-dire de rejeter le morceau de champignon que vous mastiquez. Toujours au plat, à une odeur, à l'écrasement de la chair. Que dire encore si ce n'est qu'un bon livre n'est pas inutile et surtout qu'une parfaite connaissance est nécessaire. Ça fait longtemps que vous vous intéressez aux champignons ? Oh oui, ça fait déjà une dizaine d'années. Et il faut combien d'années pour vraiment bien connaître le champignon ? Oh, ben ça, vous savez, il faut demander aux maîtres. Il y a des maîtres qui sont là en ce moment et qui font de la mycologie depuis 50 ans. Et en dessous, c'est rouge, pas de problème. Toutes les reçues hémétiques, hémética, betula rome, sous les boulons, etc. Le panier permet de garder le champignon intact. Alors que les sacs en plastique, vous arrivez chez vous avec une bouillie innommable de champignons. Il ne vous reste plus donc qu'à bien cuisiner vos champignons. Et là, les recettes ne manquent pas.